Bonjour à tous, c'est parti pour ma réaction à l'épisode 7 de The Last of Us. Il ne reste que 3 épisodes à la plus grande série de l'histoire de l'humanité. Mon cœur souffre, mon cœur a mal, c'est pour ça que je compte sur vous afin d'exploser la barre des pouces bleus. Comme ça, la vidéo part en tendance et ça me permet ensuite, moi, de partir aux Bahamas. Je tenais quand même à vous remercier de suivre mes réactions The Last of Us depuis le début. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous me suivez pour autre chose que du The Walking Dead. Sur ce, nous, on est parti. Let's go. On va voir l'intro où Joël est blessé. Avec des mini traces de sang, hein, parce que Joël ne saigne que du nez. Ah bah là, il est un peu en difficulté. Ça, c'est moi en hiver quand j'ai de la fièvre. Bah c'était un super épisode. J'ai ma luminosité qui déconne ou c'est le style? Attendez, c'est moi? C'est mon écran qui a un souci? Oh la tête d'Eli, putain. Oh le cocard. Ça c'est inédit aussi, y a pas dans le... À vrai dire, le DLC, bon... je l'ai fait une fois, ça m'a suffi. Je pense qu'il y aura beaucoup de clins d'œil, il y aura beaucoup de rêves dans cet épisode-là. Je sais que les gens ont encore du mal avec Bella Ramsey, mais moi, perso, j'aime bien. C'est vraiment, c'est vraiment un danger, cet enfant. C'est vrai qu'elle est ultra grossière, Ellie. Hein. À ton avis, Ellie est pas en train de faire des claquettes, hein. Ça fait peur. C'est ton premier cadavre? Bah non, il y a eu mes parents, mon grand-père, mon oncle et mon chien. La conseillère Pôle emploi. Putain, ça saute d'immeuble en immeuble alors que moi j'ai peur de sauter 3 marches d'escalier. Les couleurs sont top. Ça me termine, c'est une attraction en fait pour eux, c'est trop drôle. La découverte des vestiges du passé. Ah! Oh, j'avais oublié qu'on va se taper tous les ramassis débiles avec leur walk, j'avais complètement oublié. Je vais devoir faire encore le gendarme dans ma section commentaire, une hantise. Une hantise, ces gens-là. Ils me cassent les couilles. Pour nous, c'est quelque chose de basique et lambda, mais pour elle, c'est le futur, limite, hein. Bon, là, on a une demi-heure d'épisode. Ça va, pour l'instant. Les bandes d'arcade, j'y vais encore moi, la tête dans les nuages sur Paris. C'est sur Paris, proche de la place de l'Opéra. Il y a 1500 mètres carrés dédiés. Ah, c'est ultra poétique les amis, attendez, c'est Mortal Kombat. C'est comme le combat mortel qu'elle mène dans la vraie vie, c'est magnifique, mais quelle idée incroyable. Ah bah je les avais oubliés eux. On en voit tellement peu. Ouais, mais afin de créer de l'insécurité pour les personnages, il faudrait qu'il y en ait un petit peu plus, quoi. Ah, excellent. Ouais, Ellie, elles se sont abandonnées par tout le monde, hein. C'est pour ça qu'elle fait la remarque à Joël dans l'épisode 6. L'épisode il est aussi passionnant que le DLC, c'est du copier-coller donc. J'ai coupé le son mais je suis content qu'ils aient mis du Etta James. Pour moi c'est une des plus grandes chanteuses de jazz. Et voilà. Un petit bisou. Les gestes valent plus que des mots par moment. Hein. La fin va être dramatique. Hein. Par contre quand on les voit, on ressent quand même la difficulté. Un petit Doliprane, ça pourrait lui faire du bien, non? Doliprane 1000, que le 500. Bah, je crois que c'est la première scène de The Last of Us qui me touche, vraiment. La série, bien sûr. Hein.
Ouais, bah j'aime bien. C'est la première fois depuis le début de la série que ça me fait enfin quelque chose. Ok. Et ben on l'a enfin. L'épisode qui m'a le plus touché, effectivement. Vous le savez, moi j'ai beaucoup de mal avec la série The Last of Us, alors je ne dis pas que je n'aime pas, je la trouve très cool, c'est une bonne série, mais elle ne me procure aucune émotion. Mais aujourd'hui, alors que c'est justement avec l'épisode dont j'avais le plus peur qu'elle a réussi à m'en procurer les 5 dernières minutes, là on est sur un copier-coller du DLC Left Behind. Et bah écoutez, honnêtement, oui, alors c'est pas très rythmé, oui, on peut se faire chier à certains moments, et alors je ne suis pas d'accord avec l'excuse, ouais, mais c'est normal, on développe les personnages, tu peux développer tes personnages tout en restant un épisode rythmé, hein. Regardez l'univers Breaking Bad, Better Call Saul, il y a des épisodes où il n'y a pas d'action, t'es rythmé dans les dialogues par exemple, donc l'excuse de ouais, mais c'est normal, on développe, non, on peut allier les deux. Mais dans cet épisode, effectivement, on est sur quelque chose de plus intimiste. On suit donc la petite aventure qu'a eue Ellie avec Riley, une fille pour qui elle a eu le béguin et qui a eu aussi peur de l'abandon. Et que Riley a failli l'abandonner aussi. Ça fait un peu écho à ce que disait Ellie dans l'épisode 6, hein, quand elle repousse Joël en lui disant « Il n'y a que toi qui ne m'abandonne pas ». Qui ne me laisse pas tomber. Ça permet aussi d'un petit peu mieux cerner le personnage d'Ellie, je pense. Le contact humain, c'est un peu compliqué pour elle. Elle est très souvent sur la défensive, mais c'est normal, vous avez vu ce qu'ont fait des enfants à la Fedra. Donc son comportement, quand même, est assez logique. Et on va travailler tout ça pendant presque une bonne heure. Fortement apprécier les passages, vous savez, avec les vestiges du passé. La découverte de l'escalator comme si c'était le grand 8 pour elle. Pour nous, je veux dire, c'est l'escalator. C'est simple, c'est basique, ça sert à monter, à descendre. Pour elle, c'est une attraction incroyable. Et ça, c'était cool. Le centre commercial est plutôt bien fait. J'aime bien les couleurs utilisées. Il y a une belle immersion puisqu'on reconnaît certaines enseignes. Je trouve que les deux actrices sont très convaincantes. Moi, j'aime beaucoup Bella Ramsey. L'émotion y est. Personnellement, j'ai rien à dire de plus. Je pense que c'est bien de l'avoir intégrée pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Encore une fois, parce que ça permet de mieux comprendre Ellie. Et ce qu'elle a traversé, et ce pourquoi elle s'accroche autant à Joël. D'ailleurs, les passages avec Joël sont plutôt cool, et je vous cache pas que la fin de l'épisode, quand ils se prennent la main, enfin quand ils resserrent ses doigts autour des siens, là ça m'a fait un truc. Ouais, c'est bête à dire, je ne sais pas pourquoi, seulement parce que c'est un petit geste qui fonctionne très bien. D'ailleurs, pour moi, les actions, les gestes, valent plus que des mots. Et on le voit bien aussi quand Ellie embrasse Riley. Je vais pas non plus m'attarder 107 ans sur l'épisode, parce qu'on ne peut pas dire non plus qu'il raconte grand-chose. Le DLC n'était pas vraiment incroyable non plus, on se faisait un petit peu chier même par moment. C'est un peu à l'image de l'épisode, hein. Y a rien de transcendant, mais pour moi il a fonctionné. Et comme je n'attendais rien, enfin je n'attends plus rien de The Last of Us, moi ils m'ont perdu à partir de l'épisode 4. Maintenant je me laisse porter à chaque épisode, je n'ai plus aucune attente. Bah, pour moi celui-là. Il a plutôt bien marché. C'est triste parce que tu sens que c'est des ados. Ils se sont enfermés dans une bulle le temps d'un instant, mais la réalité les a rattrapés quand elles se font mordre toutes les deux par un rôdeur. Tu sens clairement toute la détresse sur les visages de deux enfants, deux ados qui n'ont pas envie de mourir, qui veulent continuer à avancer puisqu'elles se refusent au suicide. Et après, on a voilà, cette transition avec Ellie qui redescend pour aider Joël parce qu'elle ne veut pas l'abandonner. Non, mais ok. Il y a eu beaucoup de retours comme quoi l'épisode était soporifique. Finalement, oui, il n'est pas très rythmé, mais je trouve qu'il se tient bien. Il y a aussi pas mal de clins d'œil et de références, encore une fois, aux jeux de Last of Us. Hein, il y en a énormément. Mais on va dire que depuis l'épisode 5, moi, je me réconcilie un petit peu plus avec la série. Alors, je ne dis pas qu'elle fonctionne à 100% sur moi, mais c'est vrai que depuis le 5, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu plus dans du The Last of Us. Je suis très curieux quand même de découvrir le 8 et 9 en espérant qu'il ne soit pas trop rushé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, les amis. Portez-vous bien et à bientôt.